Je suis limité, moi, dans les connaissances folkloriques ou du coin. Bon, ben, le folklore, quand je suis venu ici, je ne connaissais pas grand-chose. Je connaissais parce que j'étais auvergnat. Mais je suis venu de Paris, que j'ai quitté les orchestres je suis tombé sur Marcel Bernard, qui ne s'appelle pas Marcel Bernard, il s'appelle Cabrespine, d'ailleurs, entre parenthèses. Ah, oui. Bon, mais c'est lui qui m'a mis dans le coup un peu, il m'a appris tous les trucs qu'il y avait, on a joué ça avec Martin Kellin, j'étais copain avec Martin Kellin, avec Montboisse. Oui. T'as entendu parler de Montboisse? Mais bien sûr. Ah, c'était des amis, des amis, vraiment des amis. Et oui, c'est sûr. Voilà. La Marseillaise, enfin moi. Allez, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut jouer? Bon, voilà. Mais tu sais, écoute, j'entends pas bien ce que je joue. Ah, ouais. Ah, les oreilles, j'ai tout. Mais enfin, bon, là, avec mon petit, je sais où je mets les doigts. Mais quoi, quoique, il est pas mauvais, remarque. Sans vos gens ? Ouais. Il est pas mauvais. Freddy Balta. Ça n'a rien à voir avec Paganini. Tu les as les trucs de Paganini? Non. Ah moi je peux te les passer si tu veux. C'est un gars qui. C'est un.
C'est un juif qui joue aussi bien que Paganini. Ah oui. Qui a enregistré ça. Ah, oui. Et ah, puis Angers, un truc de guitare. Hilario Diaz. Tu connais pas ? Non, je connais Billy Lagraine. Hein ? Billy Lagraine. T'as quoi ? Tu connais ? Non, mais moi je te parle d'un classique. Hein. Oui, ah oui, mais là non, c'est pas un classique. Classique, hein. D'accord. Écoute, je vais te passer ça. Ouais. Tu écouteras ça, c'est la merde. D'accord. Hein ? Tu vois, ce que tu fais, est-ce que Freddy Balta, il joue. Je sais pas s'il y a tous les morceaux là. Parce qu'il me semble qu'il y en a qui en ont supprimé. Mais enfin bon, il joue quand même la toccatude. Toccata et fugue de Bach. En ré mineur. Et la joue en entier parce que le début c'est pas trop dur, mais alors la fin. Hein. Ben puis, moi j'avais la version, alors le disque je l'ai prêté, je ne le retrouve plus. Hein. Ça c'est Christian Di Marzio qui m'avait donné sa version. Christian Di Marzio. Ah, Di Marzio, je connais, bah, il a fait des machins. Écoute, Di Marzio, il a fait les mêmes machins qu'a fait les perles de cristal. Oui, mais alors... C'était pas fait pour accordéon. Non, non. C'était pas fait pour flûte traversière, voilà, et piano. Voilà, c'est tu ça. Tu sais ça. Oui, flûte, oui, je le sais ça. Di Marzio, je l'ai pas connu. Mais j'ai bien connu, moi, par exemple. Moi, je l'ai bien connu, parce qu'il m'a offert le disque. C'est un disque qui a été gravé et qu'il avait enregistré au Kursaal de un concert. Tu parles pas au Danemark. Parce que je l'aime, moi, mais c'est moitié abîmé. C'est difficile de faire une copie. J'ai prêté le CD, moi. Le c'est pas un CD, j'ai prêté le disque. J'ai pouillé. Mais moi, je suis pas à l'ancienne. Ah, mais je peux lire les 33 tours et les 45. Ah. Je peux lire les 33 tours, les vinyles, je peux les lire. J'ai un lecteur en bas. Oui, mais d'accord, mais moi, le 33 tours, je l'ai plus. C'était Bru qui me l'avait prêté. Ah oui. Tu connais Bru ? Oui. Il l'avait prêté, puis j'ai dit, j'en ai plus besoin, parce qu'il est pas maladroit pour arranger les affaires. Dis donc, j'en revenais pas, moi. Ah oui. Celui, il m'a réparé des trucs là qui étaient comment ça fait ? Il y a un ampli, et puis dessus l'ampli, il y a le lecteur de CD et le lecteur de... Ah oui, je connais ça, oui. Ouais. Hein ? Ah ben c'est un... Merde ! En sol. Tranquilo.
patate à côté. Mais... Ah, oui, d'accord. C'est bien, c'est bien. Ça c'est de Manoury, mais c'est pas lui qui les a fait non plus. Bon. C'est pas grave. Venez-y, mes amis, à l'auberge. Voilà, ouais, oui, il a une mémoire. C'est déjà bien beau. Ah, oui. Jamais je me suis rappelé les paroles d'une chanson. Jamais. C'est... C'est moi, c'est-à-dire que toi tu les as faites, c'est pas pareil. Moi je n'ai jamais fait de paroles. Ah, les paroles et la musique. Vous êtes la mémoire. Oui, oui, ouais. Oui. Tu vois, un paquet. Moi des musiques, j'en ai. Mais attends, je vais te dire combien j'en ai de musique. Ah, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il était même pas originaire. Il était de Marseille par la moche. Oui, parfois. C'est un coquin, hein. Qui ça? Il passait dans toutes les télés, dans toutes les radios, il passait pour qu'on lui passe ses trucs. Chou, n'arrêtez pas de faire ça. Il va nous jouer quelque chose, là. Écoute ça. Faire ça, et puis tu sais, j'ai des élèves, alors je fais des choses faciles pour qu'ils puissent les jouer aussi. Non, moi j'ai pas d'élèves. J'ai même jamais. Si, oh, j'en ai eu avec Surserv il y a très longtemps. C'est des morceaux simples, c'est des morceaux que j'appelle à l'eau de rose. Hein, tu sais, c'est des morceaux calmes. Mingo. Ouais, c'est dingue, hein. Regarde. Comment dirais-je, une musique à l'eau de rose, une musique d'ambiance. D'ambiance, voilà. Non, j'avais une style un peu Klederman, un peu. Une belle-sœur qui était professeur de piano.
elle connaissait tout. Ah oui, Chopin, Mozart, elle connaissait tout. C'était une Allemande. C'était pas une Allemande, elle était de Cologne. Sa mère était de Cologne. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu te rappelles bien de ta belle-sœur. T'as fait un peu de jazz, non? T'as fait un peu de jazz, non? Du jazz, t'en as pas fait un peu? Si, en trompette. Écoute ça. Jean Didier, dis donc, j'ai un 10 Armstrong. On le laisse, on ne s'en va pas. Armstrong, le trompettiste. Très sympa, si on. Alors là, dis donc, en plus, ça, il était marrant en plus. Oui, oui, mais j'ai beaucoup de musique de jazz. Puis après, il chante, après ça, ma mère, ça la faisait rigoler, ma mère, pourtant, elle ne connaît rien. La musique, elle se marrait toute seule. Tellement, il est marrant. C'est sûr. Enfin voilà, donc. Il a passé un bon moment, mais quand même, il ne faut pas abuser. Allez. Bon, enfin bref. Tu es bien gentil. Tu as vu M. Claude Rey, tu voulais le voir. Eh bien voilà, oui. Mais c'est bien. Eh ben dis donc, pour un Mongin, il est pas mal. Et qu'est-ce qu'il voulait vous demander? Parce que Mongin, c'est... Regarde le petit. C'est ma chance, ça. Comment ça fait? Demain, il peut juger, lui. Comment il s'appelle déjà? Tu as raison, il joue bien. Ah si, il y a une chose sur laquelle je t'attends en tournant, c'est au violon. Ah, Jules, un type à l'accordéon piano, il me jouait toutes les valses de Viseur. Hein. Oh là là là. Ah bah oui, à l'accordéon piano.